La célèbre petite brique danoise fait son entrée aux Têtes modernes de Londres. Une tonne de Lego blanc mise à la disposition des visiteurs pour une exposition interactive. Ici, petits et grands sont invités à construire leur ville idéale. Je trouve cela vraiment intéressant, le fait de ne pas avoir besoin d'aller dans une école d'art pour être un artiste. Je dis toujours que si tu sais gribouiller, tu sais dessiner. Et là, si tu prends un Lego et que tu les mets ensemble, tu as une création en 3D. Cela peut être un bâtiment, une sculpture. Ça peut être ce que je veux ou ce que tu as décidé que ce soit. Ce projet artistique original prône l'imagination individuelle et le pouvoir de collaboration entre les communautés, une exposition qui accompagne la rétrospective de l'artiste dano-islandais Ólafur Eliasson et qui est ouverte jusqu'au 18 août.